Okay, blessed evening everybody. I'm Sister Sen. I'm a female live reggae performer from Cameroon, and I'm the coordinator of Reggae 237. Reggae 237 is an association of reggae, Cameroonian reggae artists and labels who decided to bind themselves together in order to promote themselves by themselves, because we came to realize that there's a lack of promoters, of reggae promoters here in Cameroon. So that's why this platform exists. And we have reggae concert in Yaoundé every beginning of month. Every beginning of month you have a reggae 237 night here at Street Corner at Rumpelongkok. So today is the 7th edition. Everything just started with the celebration of International Reggae Day last year, 2019, the 1st July. So after that day, because you know UNESCO has did recognize reggae and did inscribe it on the list of humanity, Patrimoine Mondial Humanité. Yeah, so we grabbed the opportunity to say here, to say in Cameroon that we are existing, we are here. So after that celebration, Reggae 237 nights have become a tradition here in Yaoundé. So today is the 7th edition, as I was saying, and it is every edition we have a thematic, and the thematic now is we have to stand up for women rights, because it's the month of March, and we all know that March is the month of women. So that's why we gathered ourselves together this night to stand for human rights, because women rights are human rights. So reggae music is a conscious music, and you know we are here to give the message. That's why blow. Yeah man, big up to all my friends, to all my fans. I and I, the wolf, NDA. It's what me I said. Today is the 8th May, woman's right. It's what me I said. I'm here today because I got to let to the people know, say, we don't have to keep our women's in at the back. You saw me, I said. We got to give them some later right. You saw me, I said. Because they are the one who taking care of the family. They are the one who taking care of the house. You saw me, I said. They are the one who taking care of our children. That's why me say so. We have to give them some later place. Because there's a many people in the world that they don't want to give. They don't want to give right to the woman. You saw me, I said. And I and I have been singing for human's right, and today I've been singing for women's right. And so me I say, that's why I'm saying this day have to be a very good and big day for all women in the world who are listening to me. My name is NDA, the wolf. Yeah man, listen to the song. Yeah man, forget about the voice that you listen behind. So me I say, let me say, me tell me say, y'all them, they got to be so free. No one have to treat them as a slave them. We got to let you know that your woman have another place in your life, your brother. The wolf and the enemy, I say. You got to let them be something good in a different. So, boom. This is the wolf and the enemy, so me, I say. Today is the women's right. Ja, Rastafari, I'm on. Thank you, sir. Une bonne plaque d'artiste défilera tout à l'heure pour établir les ponts entre les cultures, entre les races et surtout entre les hommes que nous sommes. Alors, non, c'était juste pour planter le décor. Le décor est planté parce que les lumières sont en place, les différentes télévisions et même les radios qui sont conviées à cette soirée également déjà en place, que l'aventure commence et que le spectacle commence dans une dizaine de minutes. Bienvenue encore, une fois de plus, à tout le monde. Et en fait, la musique reggae m'intéresse parce que c'est une musique qui a toujours promu la
l'énergie de l'être humain. C'est une musique qui est basée sur le message d'Alex et la Cyprien d'Éthiopie. Le mouvement reste pareil. On voit les idées d'unité africaine, de paix, de développement et tout ce qui peut être bien pour la conscience humaine. Et dans ce sens, Bob Marley avait dit que la femme est la mère de la création. Et du coup, les Rastas ont un aspect important pour la, enfin, mondial pour la femme, parce que la directrice vénère Asua a dit la Croix-Rouge en Afrique. Dans le mouvement reggae, il y a des artistes féminines qui ont été vraiment des très grandes artistes. D'abord, on commence par Rita Marley, la femme de Bob Marley, qui a été la leader vocale des High Trees, le groupe chanteur Bob Marley, le groupe féminin qui chantait vraiment les choristes de Bob. Il y a eu aussi récemment Kofi, qui est une artiste de reggae, qui est la première artiste de reggae à recevoir un Grammy Award, qui est très important. Ça s'est passé au début de cette année, en 2020. Bon, elle a été nominée en 2019 et au début de 2020, elle a eu son titre. Et ce soir, en fait, au Street Corner, on a décidé de faire une soirée en hommage à la femme. Et l'artiste qui presse, qui a pressé bientôt, là, elle s'appelle Sista Sen. Et Sista Sen, c'est une très grande artiste de reggae qui a vécu à Boya, qui a connu Bamenda et qui a essayé de promouvoir le mouvement reggae et la présence de la femme dans le monde du mouvement Rastafari. Ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à ce qu'on pense, les Rastafari n'ont pas de mépris pour la femme. C'est juste que la femme a un rôle qui est différent de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas égale à l'homme, elle est égale. Mais en fait, on parle de complémentarité dans le mouvement Rastafari parce que les rôles de la femme, l'homme ne peut pas les faire et les rôles de l'homme ne peut pas faire. Par exemple, la femme donne au monde des enfants, ce qu'un homme ne peut pas faire physiquement parlant. Mais la femme a une importance capitale parce que c'est elle qui gère, on peut dire, le foyer et qui donne la moralité aux enfants, dont l'éducation est souvent confiée aux femmes. Et en même temps, les femmes s'émancipent dans le mouvement Rastafari parce qu'on respecte des femmes comme Naya Bingi, qui est à l'origine du mouvement Rastafari, qu'on appelle Naya Bingi Movement, qui a lutté contre les colons. Il y a aussi Kimpa Vita au Congo. Et donc, si on revient sur la musique reggae, c'est une musique d'émancipation. Donc, on parle de l'émancipation de la femme. Et même des artistes comme Lucky Dubé, d'Afrique du Sud, a dit que God bless a woman, c'est-à-dire que Dieu bénit la femme. Et comme je sais, Bob Marley a dit, woman is the mother of creation. Et la plus belle chanson que je pense que Bob Marley a chantée pour la femme, c'est No Man No Cry. C'est une non-femme de flop. Hein, et je suis en danger parce que ton homme t'aimera toute ta vie. Merci. Thank you.
Mon fils, vous laissez ma vie.